Les sages pensent qu'ils sont omnipotents. Mais nous seuls sommes assez sages pour reconnaître la vertu dans ces fourberies. Durant cette guerre, pas le moindre pion ne sera épargné. Parce que sur cet échiquier, un simple échec et mat ne finit pas la partie. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour commémorer la disparition de notre cher camarade. En l'honneur de son sacrifice et pour que la nation fasse son deuil, tout travail s'arrêtera pendant une demi-journée. À peine une demi-journée. Il paraît que les larmes et le sang sont la véritable monnaie de la Banque du Nord. Mais, monsieur le maire, même en tant que banquier, cela me semble abracadabrant. Rosaline est décédée dans une nation étrangère. Mais vous, homme d'affaires et dignitaire sans cœur, vous sortez toujours la moindre excuse pour rester confortablement dans votre patrie. Vous ne pourrez jamais comprendre. Alors, pensez à la fermer de temps en temps. Faudrait pas faire pleurer les enfants. Si même moi, je n'ai pas envie de me battre, alors je vous assure que c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment ridicule. Bien que ces méthodes éternisent son honneur, le sacrifice de Lofalter est bien dommage. Sa perte n'empêchera pas notre progression. Mais, Totoré, qu'en est-il de Scaramouche et du Gnosis d'Inazuma ? Le sens commun nous apprend que la connaissance divine ne peut être comprise de manière rationnelle. Après avoir conquis le regard divin, il jouera son prochain coup. Il est temps de mettre un terme à cette mascarade absurde. Pour l'instant, vous n'avez pas de public attentif. Que chaque sacrifice soit gravé dans la glace. Et que cette nation persiste à jamais. Au nom de Sa Majesté la Tsarine, nous reprendrons l'ascendant sur les dieux. La paix absolue. Tel est le présent offert par la Tsarine. Telle est la bienveillance de Sa Majesté. Tu reposes désormais dans ce cercueil, enfermé dans les profondeurs de la glace. Ah, mais Rosaline, je t'en fais la promesse. Ton lieu de repos éternel sera l'intégralité de l'ancien monde. Je dois dire que vous m'avez l'air particulièrement jeune aujourd'hui, Dottore. Tu sais pertinemment que je ne prends pas ça comme un compliment. Alors, où est le fragment qui accepterait ce compliment ? Il est occupé avec une petite expérience sur le blasphème. Cole, c'est l'heure de partir en patrouille. D'accord, Maître Djinali. C'était quoi ça ?